Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode de la ferme du Valaisan, un épisode un peu spécial. Donc voilà, j'ai mon Massey Ferguson avec ma faucheuse. C'est pour venir en aide un peu, j'espère que je pourrai l'aider. Du simulateur alsacien, j'ai vu sa vidéo, il avait des petits problèmes avec cette presse, la Galignani. Si je prononce bien, non, de 30 SL. Quand il l'a téléchargé, il l'attelle, il n'a plus rien, pas de commande. Je crois que ça s'appelle le hub. Excusez-moi, mais je suis un vieux de la veille, pas spécialisé là-dedans. Mais j'ai dit, bah tiens, je vais faire un petit épisode pour tester cette presse. Donc on va y aller, je vais monter dans mon Ferguson. On va allumer tout ça. Voilà. Alors, j'ai eu des commentaires qui paraît que je laguais pendant mes vidéos. J'ai changé la résolution. Donc, si jamais ça lague encore, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire. Comme ça, je peux régler la chose. Note bien que j'ai essayé de la régler. Donc, on va accrocher ça. On va accrocher atteler la presse là. Oui, je dis bien, je vais essayer. Mon ouvrier Paulo est pas là, il a congé aujourd'hui, donc je fais ça moi-même. Voilà. Oui, ben on va recouper le moteur, on va redescendre pour voir un peu cette presse. Alors, au niveau texture, moi je la trouve pas mal. On va voir après au niveau du fonctionnement. Normalement, je vais vous remettre ça. Si je m'approche, c'est un peu comme les Crown Ultima. On peut ouvrir les capots. Oh là, où c'est que t'as ouvert? Ah, je crois que c'est le côté qu'il a ouvert, ou bien? Oui, voilà. Donc, il est vide. D'après ce que j'ai vu sur la présentation, je pense du modeur qui l'a fait. Qui est en italien, hein. Ça doit être une presse italienne. J'ai vu sur sa vidéo qu'on pouvait, je pense, aller vers une remorque de service. Je sais pas si c'est tout, comme les pick-up de service, qu'on peut ravitailler au niveau de la ficelle. Alors là, je vais refermer. C'est pas mal. Il y a juste peut-être un petit défaut que je trouve dommage, c'est que les câbles sur ce tracteur ne sont pas branchés. Ouais. Alors est-ce que c'est le tracteur qui fait ça? Ouais, écoutez, on va. J'ai un petit classe à côté. On va rallumer celui-là. On va décrocher. Je vais juste mettre ça à côté. Alors on va voir tout de suite si c'est le tracteur, peut-être quoi. Si c'est le tracteur, je trouve un peu dommage qu'il n'y a pas d'animation au niveau du branchement des câbles pour tous les tracteurs quoi. Mais bon, voilà. J'ai mis ça là, on va descendre, on va prendre le petit classe 620, 650, pardon. Je vais l'allumer. Voilà, je vais aller me connecter, attacher la presse. Je suis à côté. C'est la fin de journée, il est hein, 18 h, donc un peu fatigué avec tout ce boulot. Voilà. Ah bah voilà. Donc en somme, si je descends puis je vous montre, on voit que c'était le tracteur. Là, les câbles sont bien branchés. Donc voilà. Ouais, je trouve un peu dommage que pas tous les tracteurs se branchent. Bon, ça dépend des modes. Mais bon, là, c'est bien. Enfin bref, quoi. Ce que on va faire. Ben, je vais laisser allumer ce tracteur. On va aller juste au pré à côté pour voir un peu le fonctionnement. Et je vais juste débrancher
Dites-moi aussi hein, si le volume du jeu, il y a mon ami Eric qui m'a dit qu'on entendait trop le bruit des moteurs. Alors dites-le moi, je réglerai ça. Alors je vais juste détacher la faucheuse, je vais parquer ce Ferguson de côté. Voilà. Et bon, on va reprendre nos petites classes. Je vais prendre la faucheuse, on va aller juste auprès d'à côté, on va tester cette presse. Alors pour moi, simulateur alsacien, hein, si tu regardes ma vidéo là, ah, j'ai décroché là, voilà. Si, oui, je disais simulateur alsacien, si tu regardes cette vidéo. Je sais pas pour moi pour l'instant j'ai pas de problème donc on va mettre les gyrophares, on va aller juste auprès d'à côté, pas celui-là parce que c'est de l'épinard. On va aller tester ça. Ne vous inquiétez pas, je vais remettre le tableau parce que j'ai remarqué sur la présentation qu'on peut choisir le diamètre des balles. Un peu comme la Crown Ultima. Voilà. En même temps, on va tester cette faucheuse. Si elle est bien. Alors, on va déjà descendre. On va arrêter les gyrophares. Ça, on va l'enclencher. On va descendre. Oh, je suis là, voilà. Ah, on voit qu'il y a. Alors, je vais remettre le compteur. Je crois que c'est la touche R. Sauf erreur, ça enlève le compteur. Mais on va le laisser. Je vais vous laisser les commandes. 80 cm. On va augmenter. Je vais faire maxi. 1,60. Je vais renlever ça. Alors, normalement, j'ai descendu. On va l'activer. Et on va voir le fonctionnement. Est-ce que ça remplit? Ça remplit. Alors ça va pas vite, hein. Là je vois que finalement préférable de faucher avant de faire ses ondins. Mais là vu que c'est juste pour le test de la presse, on va laisser comme ça. Je vais pas vite, hein. 5 km/h. Peut-être mettre un. C'est clair que là j'ai la faucheuse et la presse. Peut-être mettre un tracteur un petit poil puissant, un peu puissant. Juste aller peut-être dans le magasin vous montrer la presse. On voit qu'il nous faut 120 chevaux normalement. Hein, bon, c'est en italien comme je l'ai dit. Hein. SL à la caméra variable. Du bal di diametro. 80 à 1,60 m, ouais. Est-ce qu'il y aurait une caméra? Non, je sais pas. Ouais, donc, ouais, 6 000 litres, de 1980 à 6 000 litres. On voit que c'est 2,50 m. Je monte la faucheuse que j'utilise. Voilà. Elle fait 30 mètres. 30 chevaux, donc, ouais. Peut-être que le tracteur est un peu faible. S'il a de la peine à démarrer, mais c'est juste pour voir, pour faire une balle. On va tester. Oui, il faudra bien que tu ailles un petit poil plus vite. On n'est pourtant pas en montée. J'aurais peut-être dû mettre un peu moins de diamètre. Je sais pas si je peux rechanger maintenant. Ige, on va mettre 1,20 m. Comme ça, c'est juste pour faire une balle. Hein. Donc moi, pour l'instant, elle fonctionne bien. Ah ben là, je vais un peu plus vite parce que je suis en descente. Il faudra tester avec un tracteur un peu plus puissant. Je pense que ça ira mieux. Par contre, ouais, la faucheuse va bien. Mais il faudra vraiment, ouais, à la limite, en dainer.
parce qu'autrement ça va nous faire des voyages. Donc on va juste faire une balle. Alors en attendant que la balle se prépare, peut-être juste une petite parenthèse là, j'ai passé un super week-end avec la journée des abonnés sur la team FFA. Des super rencontres, on a bien rigolé, c'était vraiment un grand plaisir de jouer en multi là sur leur chaîne. Vraiment bien quoi, moi j'ai vraiment apprécié. Dommage, c'est fini quoi. Je vous invite même à aller vraiment aller voir leur chaîne ou même quand ils sont en live. C'est vraiment une team vraiment fabuleux, très sympa, tout. Et pourquoi pas même vous abonner pour suivre leurs épisodes, leur carrière. Moi en tout cas, j'ai apprécié et je les remercie encore parce que c'était un grand plaisir d'avoir partagé ça avec eux. On revient à nos moutons. Donc là, j'ai à 40%. Alors c'est vrai que là, je vais faire un peu du n'importe quoi, mais c'était juste pour tester. La prochaine fois, là, je bouge plus. Je vais peut-être arrêter la presse. On va tourner. C'est vrai que la faucheuse ne fait pas large. Je vais me mettre en descente comme ça. On va renclencher la presse. Si j'arrive à bouger. Donc là, ouais, bon, ben là, j'arrive plus à bouger. Donc je vais juste peut-être arrêter ça. On va la lever. Je vais me mettre en descente. À la limite, peut-être récupérer ce qui est resté là. Comme ça, c'est juste vraiment pour montrer que pour moi, et surtout montrer au simulateur alsacien que la presse, le mode fonctionne. Donc la presse, tac, j'étais en bas déjà, on va l'enclencher. Ça va mieux quand je fauche pas devant. Ah, elle ramasse quand même pas mal. Ouais, c'est comme je dis, hein, il faudra peut-être faire les andins, pas faucher ou alors mettre un tracteur un peu plus puissant devant. Mais à mon avis, Alsacien, tu dois avoir un mode qui fait confit. Du reste, dans les commentaires, je t'ai mis le lien où j'ai téléchargé moi le mode. Mais je pense que tu dois avoir un conflit de mode. Ou alors, peut-être qu'en essayant l'adresse que je t'ai mis dans tes commentaires sur l'épisode que tu as fait, peut-être que c'est ça. Peut-être le mode, c'était pas le bon. Je sais pas. Alors, on est à 50%. Je voudrais bien faire une première balle qu'on laissera après. Vu que c'est un petit épisode de test, on en reviendra à ma carrière après, plus tard, dans un autre prochain épisode qui va bientôt sortir. Je vous rassure, vu que ce week-end j'étais avec la team FFA, j'ai pas pu faire un suivi d'épisode de ma carrière. Mais vous inquiétez pas les amis, ça va venir. Je vous invite à aller du reste voir les deux derniers épisodes. Hein. Une fin d'après-midi tranquille de la ferme valaisanne. Si des personnes l'ont vu déjà. Voilà, on va récupérer là. Mais cette petite presse là, vu qu'elle fonctionne bien, je vais peut-être la garder pour faire le trèfle. Alors, on va finir un peu les andins. Est-ce qu'il faut faucher encore si j'aurai assez pour faire une balle? On est à 60%.
ça monte pas vite. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être rechanger, remettre un peu moins. On va mettre. Voilà. J'ai mis à 80 cm. On entend que ça klaxonne. On va finir ça. Je vais juste enlever. Là. Ça va nous faire une balle. Puis je pense qu'on va se quitter. Là, on l'aura testé. Si je la garde, on pourra voir le fonctionnement peut-être un peu mieux dans un autre épisode. Mais je pense que je l'ai établi. Hein. N'hésitez pas à laisser un commentaire, soit pour me demander l'adresse du mod ou des questions. Je suis là pour répondre. Donc 99, on va arriver à 100. J'aime bien les presses qu'on peut changer les diamètres. Pour autant, après qu'on a une remorque, vu que je charge avec des remorques rapides, voilà, on a fini. Alors, normalement, c'est cette touche pour la sortir. Ah ouais, à 80, ça fait des petites balles. Alors, je pense que c'est vachement bien fait. Alors, comment c'est. Ah, voilà. Je vais arrêter le tracteur, on va descendre. Regardez ça. Ah ouais, ça fait des petites, hein. À limite, presque des balles pour les lapins, quoi. Mais bon, vu qu'on, je voulais juste être rapide, on va peut-être encore aller voir une petite chose. Vu que j'ai vu dans la vidéo de présentation de ce mode qu'on pouvait charger les bobines de fil vers une remorque service. Alors, ce que je vais faire, je vais juste remonter. On va remonter ça. Je vais laisser la faucheuse ici. On va la laisser là dans le coin. J'ai une remorque de service juste au parc. Je vais aller juste voir ce qui se passe quand on s'approche. Comme ça, on aura tout vérifié. Voilà, je vais laisser ça ici. Voilà, on va mettre les gyrophares. Ah, pardon. À chaque fois que ça m'arrive, quand je mets les gyrophares, j'appuie trop vite. Allez, on va juste descendre là. Alors j'espère qu'aussi, ici en bas sur la droite, j'ai un champ de trèfle. Mais je pense qu'il faudra le faner. J'espère qu'on pourra faire des balles aussi avec. Et ça, on regardera quand on viendra plus en profondeur du test. Pour l'instant, on va aller juste au parc là, voir ce qui se passe quand je m'approche d'une voiture de service. Normalement, j'en ai une là. Avance un peu, toi. Donc, ça, je peux enlever. C'est pratique aussi, hein, qu'on peut enlever le compteur ou pas. En caméra, je sais pas. Normalement, je ne vois pas de touche pour revoir les caméras. Donc, je ne sais pas. J'ai peut-être mal traduit l'italien. Je vous redirai ça la prochaine fois, les amis. Alors, où est-ce que tu es? Ici. On va juste remettre ça. Je vais voir si je me mets à côté de toi, qu'est-ce que tu me fais? Ah, ça c'est la touche là, d'accord. Ça c'est détaché. Bah ouais, bah, on voit rien. Est-ce que j'ai mal vu? Est-ce qu'il faut descendre et puis ouvrir? On va faire ça. Juste reculer un peu. On va les allumer. Je vais ouvrir ici. Alors, est-ce que c'est. Ça, c'est de côté. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, ça fait du bruit quand on ferme. Hein. Est-ce que c'est ça? Non. Ah, est-ce que c'est.
Un B. Ah, d'accord. Alors, donc là, ça a acheté quelque chose. Alors, c'est le R pour fermer ça. Je voudrais ouvrir ce côté. Ah oui. Ah bah, regardez. Donc, en somme, je sais pas si c'est près de... Je vais refermer, je vais aller voir de l'autre côté aussi. Est-ce que c'était parce que j'étais près de la... de la remorque de service? J'ai pas bien compris en italien. On va ouvrir là. Est-ce c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que ça remplit aussi? Ah non, là c'est les commandes. Ok. Je vais fermer. Donc ouais. En somme, je sais pas, les amis, si c'est parce que je suis prêt. Je vais juste ravancer un peu. De la remorque de service que j'ai pu acheter. Je vais redescendre. On va. Oui, voilà. C'est le R. Il me marque plus parce que je suis plein. Ok. Ok, donc oui. Alors, je ne sais pas. Je regarderai la prochaine fois. Bon, pour l'instant, c'est plein. Mais la prochaine fois qu'il sera vide, donc on va la garder. La prochaine fois qu'il sera vide, on viendra là ou ailleurs pour voir si je peux acheter sans être vers une remorque de service. Alors, les amis, j'espère que pour le simulateur alsacien, ce petit épisode, je ne sais pas si ça va l'aider, mais pour moi, mon ami, tout fonctionne. À part que sur un autre tracteur, les câbles ne se branchent pas, celui-là, ça fonctionne. Pardon, un petit rototo. Pour moi, ça fonctionne. Alors, je t'invite à aller venir voir ce petit épisode sur cette présentation de cette presse. Demande-moi, je te mettrai le lien, mais même, je crois que je t'ai mis déjà le lien dans les commentaires de ta vidéo où justement tu disais que tu avais ce problème. Les amis, moi je vous dis à très bientôt. Pour un prochain épisode de la ferme du Valaisan, hein, comme je l'ai dit, j'étais occupé ce week-end avec la FFA. Le prochain épisode va arriver très très prochainement. Et je vous dis adieu donc, comme on dit en valais.